Salut tout le monde, c'est Sarvio, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. On est parti pour une nouvelle vidéo sur les élèves français, j'espère vraiment que ça va vous plaire. On est parti, juste après l'intro. Donc les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Pour cette vidéo, je suis accompagné de Borom, de Jifit et de Zero, bonjour. Salut à toi, salut à tous. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va, on a quelqu'un qui est dans le barbecue, mais tout va bien. Écoute, parfait. Alors, dans cette vidéo, il y a le défi des moutons. Alors voilà, du coup, on va continuer ce petit défi. On va essayer de voir qui va gagner. Mm-hmm. Écoutez, on est parti, on se retrouve tout de suite dans nos fermes. Les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Je suis accompagné de Borom, comment ça va? Bah, ça va très bien, et toi? Écoute, ça va très très bien. Devant notre... Alors du coup, on est devant l'oncle à mouton parce que voilà, il y a un nouveau défi qui a commencé mercredi en live. Donc on devait faire du coup 30 palettes, si je me trompe pas, ou 20 palettes de moutons, de laine. 15 palettes de laine, je suis pas au courant. Donc pour l'instant, on en a les amis 3,1. Voilà, on va dire en bout d'une quatrième. Donc voilà, le défi est en route. Donc on a 80 moutons. On a passé toutes nos économies pour acheter le maximum de moutons. Donc bah, l'enclos est plein. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que Borom, tu peux continuer la moisson si tu veux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis. On va acheter quelque chose. Borom n'est pas au courant de ce qu'on va acheter. Mais je me suis dit, on va l'acheter, ça va être marrant. Allez, c'est ça, les amis. Ça vaut 3000 euros. Et en vrai, je pense que pour curer, que ce soit même les animaux ou même les moutons ou peu importe, ça peut vraiment servir. Et pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Donc, tu vas voir, Borom. Tu vas voir, ça va être sympa. On va acheter ça. Je vais voir. Déjà, on a plus d'argent. Je crois que le godet a coûté plus cher que le télescopique. Oh, non, j'ai dit. Non, oh, non. Tu l'as dit. Non, c'est pas un télescopique. Attends. Ok. Je suis vraiment débile. Comme si j'avais rien entendu. Ah, t'as dit quoi? Oui, d'accord. Ok. Mec, le godet vaut plus cher que le truc. Quel bord. On le prend cette couleur. Mais c'est vraiment pourri, hein. Le godet vaut plus cher que le truc. Bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. On va ramener ça, les gars. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Grosse info, demain les amis, demain je serai en live pendant, 6 heures de live, c'est l'événement qui a été programmé. Par contre, c'est bon, on est à 2 FPS là, 25, oui, oula, oui, attendez. J'ai l'impression que quand t'as acheté ton truc, ça a fait lag à mort, je suis tombé à 27 FPS là. Bon les amis, on va le vendre, on revient. Bon du coup les amis, on s'est redonné l'argent, c'était cette merde que je voulais acheter, mais au final bah, c'est de la merde, alors, vous avez compris. On est à 2 FPS avec, donc alors, le truc, du coup on va pas s'acheter celle-là, on va s'acheter la Newland H218 qui vaut 35 000 euros. Le problème c'est que bah, du coup, bah, elle vaut 35 000 euros, donc on a passé. Donc on va essayer d'aller vendre bah, des cultures, etc. Et au pire, on va commencer par. Bon, j'ai rien nettoyé les moutons, mais avec une fourche normale. Mais en vrai, si ça vous plaît, on essaiera de. Enfin, si vous voulez qu'on achète un petit chargeur, ça peut être sympa. Ça changerait d'avoir un télescopique. Et voilà, parce que je crois que eux veulent s'acheter un télescopique. Oula. Ouais, je crois que Jifit veut s'acheter un télescopique. Donc ça peut être sympa d'avoir ça. Et donc voilà, du coup, je vous le dis, je serai en live du coup pendant 6 heures. Demain dimanche, de 17h à 23h sur. Bah, il y aura beaucoup de farming. Logiquement, il y aura du SnowRunner, mais on sait pas trop faire fonctionner le multijoueur. Donc peut-être qu'il fonctionnera. Enfin, peut-être qu'il y aura du SnowRunner si on y arrive. Sinon, il y aura du Minecraft, je sais. Et bah, après, c'est cool, bah, 3 fermes et paysans français. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Et bah, écoutez, c'est un petit défi qu'on s'est donné. Je me suis dit, si on arrive à 250 subs, bah, on le fait. Et bah, on y est arrivé. Donc voilà, du coup, merci à vous. Et voilà, du coup, je voulais vous remercier. Donc voilà, et du coup il n'y aura pas de vidéo lundi parce que bah, la rediffusion, si les gens vont la regarder lundi, bah, comme j'ai la flemme de tourner une vidéo lundi, je laisse lundi tranquille, comme ça au moins on sera nickel. Voili voilou. Borom, tu vas avoir fini de moissonner les champs de colza, je crois, non? Ouais, là il me reste une toute petite bande et puis ce sera bon. Ouais, bah tout le monde ira vendre de colza avec l'argent qu'on pourra. J'espère qu'on a 15 000 là. Si on vend, si on peut vendre quelque chose, bon des bottes. Ouais, des bottes, mec. Si vous avez vu le live de mercredi, on avait vendu je sais pas combien de bottes. On a vendu tellement de choses. On a vendu des bottes, on a vendu tout n'importe quoi, tout ce qu'on pouvait vendre, du lait, voilà, tout ce qu'on a pu. On a vendu la paillasse aussi, il me semble. Ouais, on a vendu la pailleuse, ouais. Ouais, qui nous servait à rien, donc on a vendu la pailleuse. Bah du coup, je vais accrocher la masse à l'arrière et je vais aller curer bah du coup les moutons, au moins pour qu'ils puissent être, enfin même redonner une botte, même s'il faut. Comme ça, ça sera bon. Et après, si tu veux, on pourra s'occuper de nos animaux et des chevaux, voilà. Parce que là, du coup, il faudra qu'on remonte là. Je pense au prochain épisode, du coup, le défi va être terminé, je pense, parce que là, du coup, ils ont une longueur d'avance. D'ailleurs, au passage, je voulais vous en parler, mais vous avez, dans le live de mercredi, il y a tellement de gens qui ont pété des câbles. Genre, le défi, les amis, on rigole hein, pour le défi. Genre, si on gagne pas, ce n'est pas la fin du monde. On s'en fout, on s'amuse. Mais déjà, on a vraiment pris ça vraiment en mode, tu dois gagner. Et genre, vraiment, vous êtes trop premier degré, du coup, bah, faut se détendre un peu. Voilà, juste pour remettre les choses au clair, parce que vraiment, vous êtes trop en mode il faut que tu gagnes, Sarvio, allez, les autres, c'est des connards. Vraiment, calmez-vous. Donc voilà, juste je récupère le godet. Est-ce qu'il faut des bots d'ailleurs? Parce que les pauvres GFIT et Zero, ils ont reçu des messages d'insultes et c'était pas les pauvres quoi, ils sont juste. Ils étaient de leur côté, ils ont rien demandé. De l'eau, 30 000. Bah, j'ai peut-être rajouté 2-3 bots, comme ça au moins, ils auront les bots. Un peu de fouin. Allez, charge-moi le foin. Ouais, 3 bots, je crois qu'il y en aura largement assez, hein, mais c'est pas grave.
On va donner ça aux petits moutons et on sera bon. Les poules bah, produisent encore leur truc, hein. Les poules font leur vie. Donc on est bon pour ça. Hop. Si tu veux que je te transfère la moissonneuse, après tu me dis, Brom. Là je vais aller vider donc. Vas-y, nickel. Ah oui, on va décorer, mec. Alors les amis, ah, bah, oui, c'est vrai. Alors le problème, c'est que du coup, si on décore, on n'aura pas assez d'argent pour s'acheter la chargeuse. Ça. Non, mais c'est vrai. Alors attendez, je vais faire ça. On n'est pas droit. Mais logiquement, merde, il reste une botte. Bon, c'est quoi la botte? Je vais la laisser sur le côté. Genre, je vais la mettre là. Comme ça, dès qu'on aura besoin, bah, elle se prendra toute seule. Voilà. Et là, on va aller chercher du coup le télescopique. Enfin, non, du coup, pas télescopique, mais on va aller chercher le godet. Comme ça, on va nettoyer ça. Et c'est vrai que des arbres, ça peut être pas bête. Hein. Ouais, décorer un peu. Ah, quoique, attends. En vrai, je me demande. Attends, les gars, vas-y. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas curer maintenant. Je vais aller vendre le colza. Et si on a assez d'argent pour s'acheter la chargeuse, on s'achète maintenant en fait. Donc voilà. Alors attends, ah, je suis écrasé. T'as combien? T'as 5000? T'as combien dans la benne? J'ai 12000 là. Bah, mec, on aura largement assez, je pense. Hein. Ah oui! Bah, je sais pas combien il vaut le colza. Il vaut 35000, donc ça va. C'est pas cher, 35, c'est pas cher, un peu quand même, mais 35000€ pour ce petit truc là? En vrai, franchement, pour curer, ça va tellement être bien, même pour changer quelques bottes. Après, il lève pas haut, mais bon, ça suffit quoi. Et puis, ça change d'avoir toujours des télescopiques dans toutes les parties. Donc voilà. Bah, du coup, je vais aller vendre ça. Aller vendre. Allez, ouais. C'est parti. Et je voulais vous remercier. Hein. C'est vrai que, bah, comme à chaque épisode, on bat toujours plus des records. Et du coup, merci encore une fois de liker les vidéos, de les voir. Et merci, puisqu'on approche des 43 000 abonnés, je crois, d'ailleurs, sur cette chaîne secondaire. Voire peut-être plus, en fait, je sais pas du tout. Mais du coup, merci à vous. Ça fait super plaisir. Alors, on va aller vendre le colza. Par contre, j'ai pas regardé le prix le plus cher. Parce que c'est vrai que. 1200, je sais pas le où. Colza, c'est quel logo? C'est ça, je crois que c'est du coton ça. 1200, c'est à Copagriel. Rigole pas. Oui, je crois que c'est là. Il me semble, ouais. Donc on va essayer de faire ça. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre investissement? Mais pour plus tard, hein, pour l'instant, on se calme. Donc en vrai, il faut qu'on remonte au moins à 100000€. Ça serait bien au moins 100000, 150000€. Pour essayer d'avoir un petit. Parce que eux, je crois que JFIT, ils ont quand même de l'argent, mais tout le temps. Dans toutes leurs vidéos, ils ont toujours de l'argent. Nous, on est toujours en galère. Toujours, parce que dès qu'on a un poil d'argent, bon, on le dépense. Donc voilà. Ouais. Donc, attends, on fait du contenu. Merde, allez, attends. Oui, j'avoue. Mais c'est vrai, merde, elle est fermée la coopérative. Attends, je mets juste un admin. Bah, faut que je mette le temps en x120. Ils vont, là, tu vois, allez voir leur vidéo. Genre, JV qui va faire. Ah voilà, il avance le temps pour les cochons, pour les moutons. Ouais, je le sais. Je suis sûr, ils vont dire ça. Ouais, à mon avis, oui. Bah, c'est pas grave, mais au moins ça produira un petit peu. Parce que du coup, le défi c'est de 15, mais on n'est pas encore à 15 du tout. On est, bah, du coup, on est à 4, hein, même pas. Donc on va attendre que ça produise. Mais 80 moutons, ça devrait quand même produire pas mal. Donc voilà. Tu veux que je vienne t'aider à amener quelque chose ou pas? Bah là, je moissonne un petit peu, puis je vais mettre l'ouvrier, je pense. Ok, ok. Par contre, ah, ça c'est voilà. Le petit Fent là qui est à nous. On va s'en occuper. Le cheval, on l'a pas fait courir mercredi dernier. C'est bon, 14h30, c'est bon. On l'a pas fait courir mercredi dernier parce que le live était déjà assez long et je voulais pas faire des lives trop longs parce que c'est vrai que j'enchaîne des lives de 3h à chaque fois et c'est vrai que c'est beaucoup trop long pour vous les pauvres. Je vous dis, mais comment vous faites pour rester 3 diffusions? Donc à suivre en direct c'est facile, mais après c'est la rediffusion, il y en a beaucoup qui veulent la regarder. Donc voilà, c'est pour ça que du coup dimanche déjà je fais un live du coup de 6h, donc c'est déjà beaucoup. Et lundi je me laisse un petit peu tranquille quoi, parce que bon après ça va être long, c'est chiant, donc je prends une petite pause d'une journée. Et voilà, Ivalou. Allez, décharge ça. Oh non, on aura pas assez, mec. C'est une blague. Ah si, 33, 34. Oui, oui, on a assez. On a assez, mec. C'était 35 000. Par contre, après, tout à l'heure, j'ai vendu le godet. J'aurais pas dû le vendre. Bon, bah, mec, je l'achète. Hein. C'est parti. Ah ouais, non, t'aurais pas dû le vendre. Bah, on s'est remboursé. On s'est remboursé, ouais. Mais du coup, c'est dans quoi? C'est dans chargeuse compact. Le godet, il vaut 4 000. Oh non, on a pas assez. Oh non. Comment on fait? Il nous manque 4000€, mec. Sinon, faut que tu moissonnes et on va vendre un petit peu. Bah écoute, là je suis occupé de moissonner. Mais l'ouvrier, si tu veux faire autre chose, hein, parce que peut-être il y aura de la fauche ou de la. Non, je vends des bottes. Tu sais, les bottes, on doit avoir quelques bottes de foin qui traînent. On va aller en vendre. Ouais, ouais. De toute façon, en tous les cas, faut qu'on refasse des stocks d'herbe parce que c'est vrai que ça fait quelques épisodes. Ça va faire deux épisodes, je crois, ou deux lives qu'on fait plus de foin. Enfin, on s'occupe pas trop des foin. Il y a plein de fauches à faire en plus. Hein. Ouais, il y a de la fauche. Bah, je crois que je vais commencer. Bah, si, il y a un champ qui est prêt en fauche. Bah, je pense qu'on va la rubaner. Hein, parce que du coup, vu qu'on a les sous dans le silage qui est pris. Plus la peine de faire de la rubanée pour les animaux, donc on peut le vendre directement. Bon, on va faire ça. Mais si tu veux, mets l'ouvrier à la moissonneuse et je te mets de la benne et t'as qu'à commencer à aller en dénée. Moi je viens avec la presse et on presse, comme ça on fera ça. Je finis mon épisode. Enfin, non, je dis que ça fait deux épisodes. Je dis que ça fait deux épisodes qu'on n'a pas fait de foin, mais dans la fois on avait fait du foin, je me rappelle. Dans la petite parcelle au four en bas là. Ouais, mais il y a eu un live et un épisode, je pense, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà. Et du coup, j'avais vendu des cartons de poules. Bon, ça produit pas beaucoup les poules, hein, mais parce qu'on a pas beaucoup. J'en ai vendu un peu beaucoup. Ah si, j'ai peut-être acheté juste un coq parce que c'est vrai qu'elles se reproduisent pas. Ah mais y a pas de paille là. Oui, c'est si, mais.
T'avais oublié on de la faire. On va dire que j'avais oublié de la mettre. Attends, à quel moment tu t'es rendu compte? Au haut de la ligne, là, au début. Ah ouais, d'accord. Ça va, ça va. Je m'en suis rendu compte assez vite, mais. Ça va. Et ben du coup, je vais laisser la benne là, sur place. T'as qu'à l'endener avec le fent, je pense. Ça suffira le fent. Ouais. Et moi, je viendrai presser avec le. Là. Allez, c'est parti, mon kiki. 1 700 €. Au moins, on aura acheté la chargeuse. À part que si la chargeuse, on peut mettre un godet qui va pas avec. Mais je pense pas, à mon avis, il faut juste le godet qui aille avec. Vente, où est la presse? Non, la presse elle est pas là, l'endener il est là. Et je vais aller vendre des bottes. Attends, du coup, la benne. C'est vrai qu'on a, alors c'est vrai qu'on a deux bennes, mais c'est pas, on vendrait pas la bompie par hasard? Mec, la bompie ne sert à rien. C'est vrai qu'on s'en sert plus. Hein. On s'en sert pas. On avait dit qu'on l'a gardé pour l'avoine et pour les chevaux, genre pour une benne qui fasse un petit truc. Et en plus, on a l'auto-chargeuse en plus. Donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ouais, on va la vendre alors. Oui, on peut la vendre. Comment la vendre? 8 000 €. Bah, je vais l'amener directement au concessionnaire. Je vais faire ça alors. Je vais amener au concessionnaire. Le Fent, il est. Bah, Switch, je sais pas. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je sais pas de ce qu'il est. Allez, on est parti. Bon, c'est bon, ça lag toujours en fait. Je crois que je lag toujours en fait. Hein. On est à 38 FPS. Bon, bah écoutez. Oh, on a de l'avoine. Bah, attends, je donne de l'avoine aux chevaux alors. Mais il y a 715 d'avoine dans la benne, quoi. On va aller vendre ça. Et puis ça qui est en l'air, là, les pendeurs à fumier. Enfin, les pendeurs à lisier. D'ailleurs, on pourra aller peindre sur nos parcelles avant de les ressemer. Je pense qu'on essaiera de faire ça à la fin du lag parce que c'est vrai que bah, c'est sympa de dépendre. Le petit, okay, il est tout là. Petit tracteur. Il est là. Oula, c'est vrai que cette benne, on fait un peu de deux roues avec cette benne. On recule. On peut rentrer ou pas là? Non, faut reculer au fond. Mais ça passe. Ah non, ça passe pas. Oh merde. J'ai enfoncé la porte. Peut-être ouvrir. On a un problème de porte. Le filet, il supporte une benne quand même. Il est pas mal le filet. Il est résistant. J'ai enlevé le filet, la benne elle vole toujours. Ah non, c'est bon. Alors, recule. Ça doit être là qu'on vide. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. Oh non, il en manque. Bon, je vais en faire un tas devant, comme ça, avec la chargeuse, on pourra leur donner. Allez, contrôle I. Voilà. Qu'est-ce que je peux aller amener au concessionnaire, tant qu'à faire, qui ne sert à rien? Non. Ah oui, alors, pour vous expliquer, parce que Zero nous avait piqué. Enfin, ouais, Zero était venu nous piquer l'enrubaneuse. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'en ai loué une. Mais du coup, au final, je pense qu'on va peut-être. Enfin, on est toujours dans la Kuma, mais au final, le fait d'avoir une Kuma, c'est sympa, mais au début. Mais comme la rubaneuse, c'est clairement la chose qu'on se sert le plus et qui rapporte le plus d'argent, c'est vrai que le fait d'en avoir une pour deux, bah, quand t'as besoin d'avoir de l'argent, bah, forcément, tu vas la rubaner. Donc, forcément, il y a toujours un qui est pas content. Donc, du coup, on s'en est loué une. Je pense qu'on finira par en acheter une ou faire eux, ils partiront de la Kuma. Tu vas où là? Oui, non, je me suis perdu. On n'est jamais allé par là, mais d'accord. Si tu veux. Oui, non, mais je veux faire demi-tour là. Je veux aller au petit champ. À côté le concessionnaire qu'il faut aller. Ouais, vas-y. Ah, tu vas aller à celui-là? Ah, oui, d'accord. Bah, oui, il était fauché justement. Enfin, à part s'il y a une autre route. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres champs qui ont été fauchés. T'avais fauché en live mercredi? Bah, non, mais je savais pas que celui-là était fauché en fait. Ah, ouais, bah, ok. Bah, tu vas en donner de l'herbe pas coupée. Non, mais il faut aller à côté de la concessionnaire. À côté de la concession, parce que j'y étais allé. Enfin, tout à l'heure, j'ai récupéré le Newland, le Johnny, il était. Oui, c'est bon, il faut l'emmener celui-là. Alors, de l'argent va tomber. Regarde, elle est là, ma petite chargeuse qui a passé devant. Par contre, c'est là pour vendre ou pas? Normalement. Allez, Borom qui arrive à fond, mais. En vrai, il est petit ce tracteur, mais il est sympa. Hein. Il y a pas de gyro, ouais, c'est dommage. Sympa. Il y a pas de gyro. Mais il commence à être un peu limite hein, niveau puissance. Donc, ben, peut-être qu'un jour. Je pense qu'il est pas à fond, si. Enfin, je sais pas si on avait pris à fond. Je crois pas. Vendre. Allez, 10 000 €, c'est parti. Mec, 10 000 € la benne. Hein. Franchement, ça va. Et ça, c'est à nous, ça. Ça va, oui. Je crois que c'est à nous ces palettes-là, il me semble. Bon. Et bien, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir t'aider. Enfin, je ramène. Je vais ramener celui-là, alors, tant qu'à faire. Je vais ramener lui. Je vais acheter la petite chargeuse compacte. Comme ça, on aura fait au moins un petit achat dans la vidéo. Ça sera nickel. On va la prendre couleur. Couleur rouge ou pas? Oh, le godet, on prend quelle couleur tu veux le prendre? Il y a rouge ou normal? Je sais pas. Bah, en fait, normal, c'est mieux. Ouais, normal. Parce que rouge, ça va pas. Rouge avec le jaune de New Holland. Ouais, non, ça va pas. Bah, ça fait Fiat Agri, quoi. Ça fait un peu goût de Fiat Agri. Allez, c'est parti. Mec, en vrai, je suis content de mon petit achat là. Est-ce qu'il va nous servir? Ah, attends, est-ce que je peux pas essayer de ramener nos palettes qui sont à nous, tant qu'à faire? J'ai le godet, on va essayer de ramener des palettes à nous. Parce que ça, mais en fait, je suis pas sûr si c'est à nous. Parce que, attends, mais normalement, ça affiche. Le show, il me semble. Mais je crois, ça, c'est moi qui les avais cachés là. Au pire, les gars, on les ramène. On sait pas si c'est à nous, mais au pire. Oh merde, ah non! Ah bah au pire attends. C'est pas grave, on change de technique. En fait ça vide la palette dans le godet du coup. Et oui. Ah bah oui. Et oui. Bon bah c'est pas grave, je vais la vider complètement. Si ça. Ok c'est bon. Bon bah c'est pas grave, je vais ramener ça. On a 1000 de semences. On va ramener ça, on va le mettre dans le semeur, puis on va ouvrir la trappe du semeur, on mettra ça dans le semeur au pire.
Et oui, je n'y ai pas pensé. Oula, par contre. Ah ouais, c'est vraiment genre. Petite. Oh, mec, quoi, 20 km/h, quoi, le bordel. On n'est pas arrivé, moi, je vous le dis. Oh là là. Allez, c'est parti. C'est pour ça qu'il va rester toujours à la ferme, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais voilà. Et aussi, je voulais vous en parler. Ma boutique, je pense qu'aujourd'hui, il reste encore 2-3 jours de solde. Il y a moins. Enfin, il y a le frais de port qui est offert dans tous les pays, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas parce que c'est 7€ de réduction et en vrai c'est pas mal quoi, donc en vrai n'hésitez pas. Et merci, je vais vous remercier aussi pour tous les gens qui ont commandé parce que je n'ai jamais fait autant de ventes depuis la création de la boutique, même au lancement, tout début du lancement. Donc merci à vous et ça fait grave plaisir. Donc moi aussi j'ai commandé mes choses. Je sais que LSC a déjà reçu sa tasse et son truc, donc ça fait plaisir. Sa casquette. Et voilà, attends, j'ai coupé par là. Ah non mais non, ça a rien de coupé. Sa casquette, oui. Donc voilà, et j'espère que j'essaie de vous en faire gagner. Donc ouais, demain en live, j'essaierai de faire ça. Donc 17h, 20h, dans 17h, 23h. Donc voilà, il y aura juste une petite pause d'une demi-heure ou un quart d'heure où c'est que je boufferai. Mais je resterai en cam avec vous. Hein, je mangerai comme un gros porc. Hein, mais c'est qui me suit derrière? Ah non, je crois qu'il y a quelqu'un qui me suit. Mais voilà, du coup, Borom viendra normalement. Borom viendra pour SnowRunner, pour Minecraft et pour les trois fermes. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, SnowRunner, on va essayer de faire du SnowRunner à multijoueur, mais ça fonctionne pas. Donc, on va faire le Mac. Enfin, il n'y a que nous que ça fonctionne pas. Chez tout le monde, ça fonctionne, mais nous, ça fonctionne pas. Donc, bon, on va essayer de trouver une solution. Et après, du Minecraft, vous allez voir, il y aura Mario Link. On va essayer de faire un truc bien sympa, une partie. En gros, pendant une heure, pour vous expliquer, on va devoir aller dans la map. Hein. Il y aura moi, je serai avec Mario Link et Nico sera avec Borom. Et logiquement, je crois que Nico est en live ou Borom, toi, t'es en live peut-être. Non, c'est Nico qui sera en live normalement sur Minecraft, sur sa chaîne secondaire, il avait dit, je pense. Ah, nice. Mais voilà, du coup, il sera en live. Moi, je pouvais pas parce que... Donc, en gros, pendant 45 minutes, on fait notre stuff, on se fait des armes, on fait nos stocks. Et après, pendant 10 minutes, on doit se tuer et c'est l'équipe qui gagne, qui gagne. Donc, voilà. Merde, où est le semoir, par contre? On va revenir au semoir. Hop là. Enfin, comment ça tourne, ce bordel? Oula. Bah, le prochain achat, je pense, ce sera quand même le truc pour le maïs, là. Ah, ouais. Oui. Ah oui, parce qu'on a pas de maïs. Bah oui. Ah ouais. Par contre, où est le semoir là? Parce que les palettes, au pire, je vais vidéo. Mais attends, où est le semoir, mec? Vraiment? Il est là. Ah, il est là. Attends, je vais essayer de viser dedans. Mais je sais pas si ça a fonctionné. Parce que je sais pas s'il faut que ce soit attelé. Aïe. Je sais pas s'il faut que ce soit attelé ou non. Alors, attendez, on va tester ça. Oh, allez, monte. Ça monte assez haut d'ailleurs. Oh non. Oh, mec, ça monte pas assez haut. Ah, si, attends, comme ça va marcher, je pense. Pour moi, ça marche. Je dis bien. Ah non, ça marche pas. Attendez, il faut que j'aille où? Il faut que j'accroche le semoir et ouvrir le capot. Vite. Allez, le semoir, il est où? Y a-t-il un tracteur de libre par ici? Bah, y a celui-là, là. Le petit John Deere. Un John Deere, ouais. Ouais, donc on va essayer d'aller faire ça. Allez vite! Parce que genre. Attends, mais au début de la vidéo, j'ai dit. Ah bah, les gars, on va aller curer. J'ai pas encore curé, on est à la fin de la vidéo. Magnifique. Je vais me dépêcher. On va aller juste faire ça. On est pas tout à fait à la fin. Non, mais on est. Là, je suis à 22 minutes, mais on va dire qu'on a. Allez, 20 minutes d'enregistrement. On va poser. Une série tranquille. Ouais, en vrai, c'est une série tranquille en vrai. Mais c'est vrai que c'est une série tranquille. Mais alors, j'espère que. Enfin, je pense que ça durera pas parce que le problème, c'est que là, actuellement, c'est le confinement. Donc, bon, j'ai le temps. Mais d'ici quelques. Quand le confinement sera terminé, qu'il va faire beau et tout, désolé, mais j'ai envie de sortir un peu. Donc, je pense que les week-ends seront. Je serai peut-être pas tout le temps là. Donc, on va plus le voir. Donc, non, mais si, je serai quand même là. Mais attends, ouvre la porte. Est-ce que ça marche là? Il va venir, tournage, hop, allez, je sors. ça vide peau. Si je fais R, attends mec, ça, j'arrive pas à vider en fait dans le semoir. Pourquoi? Avec le godet? Bah ouais. Est-ce que je suis mal incliné? Vous ne pouvez pas effectuer cette action ici. Ah si! Oui! Ça marchait, mais ça marche plus. Bon bah écoute. Je pense que sur farming, je n'ai jamais réussi à remplir. Ah oui! C'est bon. Semoir avec le godet. Ok, c'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi. Allez, c'est parti. Ah ouais. Maintenant, on va aller donner ça au. Ah non, allez, enlève-toi. Bah, j'ai coincé mon godet. Voilà. J'ai coincé mon godet dans le semoir. Ah non. Ah voilà, c'est bon. On a réussi. Allez, c'est parti. Bah oui, j'ai rempli le semoir vu que j'ai rempli la palette de aïe. Vu que j'ai rempli la palette de enfin le godet de semences, du coup je vais le vider. Donc allez, on va aller curer du coup nos moutons les amis et après j'espère qu'on essaie, enfin je vais essayer de décorer un petit peu la zone et je pense qu'on sera bon pour cette vidéo à part s'il y a d'autres choses à faire. La moisson, faut qu'on s'occupe de la moisson et j'aurais voulu comment venir presser mais c'est vrai que la vidéo sera un peu longue sinon. Et oui. Attends, okay, on va attendre live hein. Ouais, dans tous les cas, mercredi, les gars, on aura le temps. On aura pas mal d'arubanés à faire. Ouais, j'avoue, on aura d'arubanés à faire. On aura nos moutons, à mon avis. Le défi sera terminé donc pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on gagne d'ailleurs? Je sais plus, j'ai même plus les lots.
Ah si, c'est un télescopique. Si, ah oui. Il me semble que ouais, le premier c'est un télescopique et le deuxième. Et le deuxième, je crois que c'est un champ peut-être, hein, il me semble. C'était de l'argent. De l'argent ou un champ, alors je crois. Ah ouais. Bah du coup, ça... alors les gars, normalement on sera deuxième. Donc, dans tous les cas, même si on a acheté ce petit télescopique, on aura. C'est bon, on va pas acheter un truc pour rien. On fait pas le défi, Dylan. Donc ouais, Dylan, on fait pas le défi aussi. Ça vide ou pas là? Mais attends, mais je n'arrive pas à vider l'herbe. Est-ce que c'est un bug ou c'est moi là? Ah si. Oh non. J'ai refait un tas. Attends, mais viens voir Borum, j'arrive pas à revider dans l'loge. Attends, j'arrive. Vas-y Borum. Attends, on va recharger ça. Alors, là, généralement tu fais ça, tu vas devant ton loge et tu vides. Genre là tu fais ça et hop, je vide quoi. Sauf que ça vide pas. Oh, ça ouais, devrait tomber là quand même. Ouais, il est bizarre ce godet. Oh il est chelou. Ah non, parce que c'est plein, c'est plein. On est bêtes, on est débiles, on est vraiment abrutis. Parce que c'est plein en fait. Il y a la botte juste là. Mais oui, bah attends, enlève la botte, enlève la botte, mets-la loin et je vais avancer le temps. Comme ça, ça va vider petit à petit, je pense. Je dis bien, je pense. Attends, je m'éloigne. Oui, enfin, je regarde. Non, non. Je suis débile. Allez, hashtag débile, ça va. Bon, au pire, on va le laisser faire, on ira vider ça plus tard. Bah écoutez, les amis, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Oui. Que se passe-t-il? Bah, il est en face en moi. Ah oui, pardon. Hop là. Voilà, arrêtez. Enfin, je voulais gagner, c'est tout. Bah, voilà. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Je pense qu'on aura fait une bonne petite vidéo. On va aller voir chez Vite, voir un petit peu ce qu'il a fait dans sa ferme. Et dans tous les cas, bah, la moisson. Attends, la moisson fait sa vie ici. Elle en est où d'ailleurs? Elle est à 94%. Bah, attends, je vais la reprendre en main. Je vais aller la vider. Bah, attends, je la vider maintenant alors. Allez, c'est parti. Bah, elle est au bout du champ. Donc, je l'ai amené à la main. Et on sera bon. Comme ça, logiquement, on aura un peu d'argent pour essayer de décorer. Donc, alors, mercredi en live, on essaiera de décorer la zone des moutons. Bah, s'acheter. Rien. Bah, je sais pas, non, s'acheter quoi. Non, bah, vendre les palettes. Je pense qu'on ira vendre des palettes. Et après, vous me direz qu'est-ce qu'on pourra vendre dans tous les cas. Donc, voilà. Bah, écoutez, les amis, c'est parti. Direction la ferme de Jérémy. Alors, j'y vite. Alors. Bah, du coup, dites-nous un petit peu ce que vous avez fait dans votre ferme déjà de base. Oui, alors déjà, commençons. Attends, viens avec moi. Commençons par le commencement. Et où est le trophée? Le trophée, j'ai enlevé. Mais j'ai enlevé parce que. Oui. Non, mais oh voilà. Là mais là. Mais dans les commentaires. Oh non, j'ai fait le trophée. C'est honteux. Non, okay. C'est pas grave. Non, mais alors, c'est gentil de ta part. Mais les moutons. Les moutons. Du coup, 80 moutons ici. Bah, comme on n'a rien touché. On a acheté un petit balai. Regarde. Ah. Que tu, voilà, ça, c'est pour ton boulot, ça. Tu vois, tu prends le balai. Ah, le balai. Mec, on aurait dû acheter ça ou de dépenser tant d'argent. Mais oui, mais 15 euros le balai, mec. Hein. Manche en bois, avec poil dur. Oui, mais avec le balai, il récupère pas. Ah oui, eh oui. Tiens, le balai, en plus, tu fais pas switch dedans. Genre, le balai, regarde, tu fais ça et il s'envole, quoi. Oh, j'ai balayé pour toi. Oh, joli. J'aime bien. De rien. J'aime aussi. Ok, du coup, ça, donc le niveau laine, on en est là. Combien de laine, du coup, vous avez 6. Oh là là là. Ah, ok. Bah, un peu plus d'avance que nous, d'accord, Silène. Ouais, après, voilà, bon, pour les moutons, c'est tout. J'ai moissonné le champ de colza qui était là, voilà, donc c'est tout stocké à la ferme. Ok, d'accord. Ah, stocké, vous vendez pas? Bah, le prix de vente est pas top du colza, donc du coup, ouais, on stockage sur un autre site parce qu'on a un grand domaine, tu sais. Donc, Oui, c'est vrai que les Américains se déploient pas. Ouais, les Américains, tu vois. Du coup, Dylan, il est encore en train d'endainner le foin. Ouais, ok, vas-y. Voilà, puisqu'on a plus de foin pour les vaches, donc du coup. Et oui, non plus. On a plus rien, donc il faut qu'on refasse nos stocks. Donc du coup, ça fait aussi pour les moutons. Et bien, du coup, venez voir ce qu'on a fait dans notre chair, à part si t'as pas fait. Et oui, j'arrive. Après moisson d'avoiné, c'est tout. Et bien, tapez-vous à l'enclos au pâturage mouton, là, comme ça vous allez voir. Pâturage mouton. Allez, c'est parti. Alors, voici. Les riches, non pas du tout. Ils sont beaux. Donc venez voir l'loge déjà de base ici. On s'est acheté un truc qui ne vaut pas 35 euros, ça je t'avoue, ou qui ne vaut pas 15 euros. Ah ouais, ah oui, c'est un peu plus cher quoi. On a acheté 35 000 euros avec le godet. On a essayé on a curé les animaux tranquillement, voilà. Et ensuite, on a toujours 80 moutons nous aussi, mais on a que 4 palettes. Donc, 4 voilà. Palettes. Ouais, parce qu'on avait 3 et demi quoi. Donc, ouais, c'est normal. Vous avez 3, 1, 4. Et vous êtes à 80 moutons aussi, vous 80 moutons aussi, ouais. Donc voilà, donc on a fini la moisson, on a allé vendre quelques trucs, et voilà, on recommence de la moisson de notre côté. Et on a vendu du coup notre benne Mopu qui nous servait pas vu qu'on avait 2 bennes. On a vendu la Mopu qui était noire, tu sais, qu'on s'en servait pas trop. Donc voilà ce qu'on a fait. Et t'as mis la flèche, c'est quoi? En fait, t'as fait 3. C'est quoi le délire? Je sais pas, on captera mieux. T'es mis au garde-boue là, ça y est, là. Non, mais voilà. T'es la wifi. Voilà. Donc voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter du coup. Hein. C'est l'antenne, ouais, c'est pour la parabole. Allez, je te laisse du revoir, Gifit. Allez. Ouais, allez, bah écoutez, bah merci à tous déjà d'avoir suivi
Attendez voir. Désolé. Allez, il s'étouffe. On reprend. Donc merci à tous d'avoir été, regardé ces deux vidéos. Voilà, des gros pouces bleus, bien sûr, comme d'habitude, aux deux vidéos, ça fera plaisir. Pensez aussi à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis on vous dit à la prochaine, les gars, pour de nouvelles aventures. Ciao les gars. Allez, salut les gars. Salut.